Bonjour tout le monde, jeudi, c'est vendredi 13 avril 2018. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Ça. Mais quelques principales informations, on a bien pour développer dans le journal. Le président public, Jovenel Moïse, a participé dans le 8e sommet Amérique, qui a déroulé 13 à 14 avril sous thème Gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays PO. Conseil supérieur police nationale la répond jeudi 12 avril 2018 la convocation commission justice et sécurité publique Sénat sous question sécurité. Premier ministre Jacques Guila Fontan dans cadre rencontre ça parler sous ensemble disposition gouvernement adopté pour garantir un climat sécurité stable dans pays. Commission justice et sécurité chambre de convoqué conseil supérieur police nationale là pour vendredi 20 avril cap vini là situation sécurité pays a nan mitan discussion yo selon président commission Jean-Marie Florestal. Rectorat UH la lancé AIGDIA école d'optométrie et sciences de la vision rete branché développement information ça yo a campil l'autre ça pas prêt pause là. Merci pour fidélité ou ak attention. Bienvenue dans développement journal là. Président public là, Jovenel Moïse, accompagné à première dame là, Martine Moïse, et puis plusieurs membres cabinet qui te pays là, jeudi 12 avril là, pour pays Pérou, dans le cadre de participation dans le 8e sommet chef l'État américain. Avant de parler pour Amérique du Sud, président Jovenel Moïse inauguré, premier vol compagnie aérienne Spirit Cap Haïtien Fort Lauderdale. Inauguration vol ça, d'après président, pral aider, nan vente potentialité zone ça, pendant le profiter annoncé, yon ensemble, Mezi pourra poursuivre avec différents chantiers qui commençaient dans Grand Noa. Yon bout nan déclaration, président Jovenel Moïse, nan micro, Esaïe Aurelius. Moun nan nan que fierté qui ou gen orgueil. D'ailleurs, Citadel Laferrière nous konza li représente pour nous nan département sa 2020, kap fè Citadel la 200 ans, kap fè la ville kap haïtien 350 ans. Nous pon gros décision. Mon décision que nous campions derrière pour nous construire un téléphérique, c'est ton promesse de campagne. D'ailleurs, je me dis tout le monde, tout ça me dit dans la campagne, là, m'a fait tout net. Pour le fait, l'État supposé jouer le rôle de catalyseur. Je dis, non seulement le pays a ouvert pour business, mais l'État là pour accompagner tout le monde qui a l'idée. Et pour mon idée qui est bon, l'État porte là ouvert pour vous, par intermédiaire. Et c'est même avec Spirit Airlines qui te prend vos décisions pour venir au cap. Porte là ouvert, pas de personne qui a bloqué, personne qui décide de venir faire business dans le pays aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dans le pays, le groupe de gens, ils parlent pour accompagner tout le monde qui décide de venir créer un emploi dans le pays d'Haïti. Seulement pour le fait, nous avons besoin de stabilité. Pas de développement sans stabilité politique. Mon cap connaît, si je nous promets, n'a respecté promesse. Route là, asphaltage pour le déraper, pour nous asphalter, Kankok pour arriver vos doigts. Route Kafou la mort, pour arriver pour neuf là, je passe là dans avant hier, après disons semaine dernière, je vois que route là, parti ça fin grasé net. Nous prenons décision pour que dans quatre caravanes de changement, chaussée ça et refaire immédiatement. Et ceci, nous voulons parler à Moun Nano pour ville au Cap Haïtien, qui sont villes touristiques. Là, moi-même, de Timoun, j'ai deux bateaux qui ont débarqué dans le port au Cap là chaque semaine. C'était Bohème avec Skyward. Jodia, pour ça, tout le port commercial. Il y a des grosses décisions qui parlent dans le niveau de l'État pour que nous mettions pour ça dans la condition. Pour nous recevoir bateau pour arriver, je voulais parler de bateau touriste pour arriver dans la ville. L'autre information dans le journal là, sous initiative Commission Justice et Sécurité Sénat, membre Conseil supérieur police nationale, ont participé jeudi 12 avril là dans une séance convocation sous question sécurité pays. Dans l'occasion, le président Sénat Joseph Lambert fait connaître la sécurité, c'est un point important pour un pays développé. Le président Sénat République l'a précisé, la séance permet de connaître comment la situation de sécurité pays a été et puis décision est capable de prendre pour limiter les actes d'insécurité, particulièrement dans la zone métropolitaine. Il y a un extrait dans le micro, Fédéral Confident, avec Moïse Wilbridge. Invité
ensemble avec tous les autres membres du CSPNO, mardi, mercredi dernier. Fort malheureusement, tu as des difficultés auxquelles vous faites face et qui t'ont empêché de venir et répondre présent à l'invitation, ce que vous avez notifié nous par lettre et que l'Assemblée a pris connaissance de lettre. Sur insistance de l'Assemblée des sénateurs, nous t'ai adressé en deuxième correspondance pour que Jodia ou t'es arrivé dans le Sénat République là avec le reste membre CSPNO pour nous t'es engagé débat ça et échange ça en tant que responsable de l'État sur la situation qu'a développé. Président Commission Justice et Sécurité publique Sénat dressé un tableau sombre sur la situation de sécurité pays pendant le dernier jour. Sénateur Sénatus, mandé exécutif là, prend toute disposition pour adopter bon Jean Mézi pour contrecarrer action bandio. Il extrait toujours dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Weybridge. Président, depuis le mois de février dans le pays d'Haïti, nous avons commencé à enregistrer au niveau commission. Plusieurs petits actes. Dans le Grand Ravine, nous avons enregistré la disparition d'un journaliste, un jeune journaliste, Vladimir Le Gagneur, qui lui-même a soulevé plume sur un pile papa avec maman petite en de société, qui a investi pour faire petit yo, vienne devenu des professionnels. Il y a un gros zin qui pétait entre plusieurs chefs gangs. Il y a chaque qui réclamait tête comme chef, soit en corridor, il un impasse ou bien un riel. Et là, liberté, circulation, population, pas respectée. À tel enseigne, il y a un monde qui travaille dans la police là, qui sont sous muet, qui tombent parce qu'ils traversent les frontières, ils sont dans la zone ça, ils prennent comme un espion. Ça veut dire que nous tous sommes concernés. Parce que toute couche dans la société a concerné. Je dis à nous venir là, nous relais CSPN. Pour nous garder ensemble avec lui, qui s'est passé dans Miragouane, qui permet à un jeune garçon qui est Robinson François, l'y assassiné en date du 15 février 2018, quand il y a un monde qui a fait politique, qui relais Amatas Jean-Philippe. Nous pensons qu'on est. Comment faire policier tomber, blessé en bas de l'assassin? Nous, ça paraît comme s'il n'a pas retenu attention, opinion en vrai. Nous, monsieur, qu'on est président, 250 Galil, dans la période de transition entre président privé et président Martelly et privé, qui disparaît, nous t'es touché de ça. Côté 150 Galil, ça y est. Non mais qui est-ce qui est? Est-ce que Galil ça est au service de l'État ou bien est-ce que compte l'État dans le fonctionnement? Nous voulons qu'on est président avec CSPN, non? Qui ça a fait pour Grand Ravine, population Grand Ravine, non, aller en souffle en bas, mais moun qui gen zam qui a fait au passé misère? Toujours sous même dossier, la situation sécurité pays stable, contrairement à sa réseau social a véhiculé, selon le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui a participé dans la rencontre convocation Sénat. Le Premier ministre l'en prend comme exemple, Carnaval à Crara qui était organisé dans le pays, côté pas de aucune difficulté. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a annoncé diverses dispositions gouvernement à prendre pour renforcer la situation sécurité pays. Suivons bout dans la déclaration. Les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Depuis fin octobre, début novembre, côté que au parquet des cas de sécurité en série, dans aucun pays dans le monde, côté que au cas de ça qu'il y a zéro insécurité. Bien sûr, il y a un peu de travail pour nous continuer à faire pour nous renforcer la police nationale, moi, que nous avons de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous sommes passés en décembre, côté que le peuple est sorti,
côté diaspora rentré dans le pays, hein, pas aucune bavure qui fait pendant décembre. Nous sommes passés les dimanches pré-carnavalesque. Côté que serviteur nous a parlé avec moi. Nous descendons presque sans sécurité, nous descendons dans la bande. Ma jambe n'a aucune crainte que le combat est arrivé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnavalesque qui est passé. Avec zéro mort. Nous sommes passés au carnaval. Côté que dans Port-au-Prince, bilan, c'est zéro mort que nous avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est en preuve que j'ai oublié de décrypter. C'est pas ça que nous. Nous sommes passés en période de la rate. Côté peuple à travers le pays. Peuple à la musée. Dans les organes, par exemple. C'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils ont battu dans la rue, ils ont rentré dans la rue, ils ont gagné à mesure, ils ont tourné dans le pays côté que ils résident actuellement. C'est confiance ça que la population a commencé à gagner. C'est confiance ça que l'étranger a commencé à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils ont rentré avec des étrangers qui viennent passer vacances avec eux, ils viennent rentrer avec des petits blancs qui sont mis petits jours, ils rentrent et passer vacances dans le pays. C'est parce qu'ils ont commencé à sentir que mon bagage est fait. Bien sûr, il y a un petit problème que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pire. Sénateur, par nos des cas qui montaient depuis 2016. Monsieur, nous sommes jour jour matin, monsieur, vous parlez ma balle dans le travail. De l'heure est sorti la caille pour m'arriver dans le bureau. Dès que vous avez 15 kidnappés au matin. Mais entre-temps, la police nationale finit. Beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre le fléau, ça, pour que Haïti arrive dans le cas zéro kidnapping, par exemple. Nous avons un pile de pour le faire, certes. Nous-mêmes, au niveau du CSPL, on nous va parler à huis clos tout à l'heure, mais féliciter la décision sénateur qui représentait quand même encore le sage. Pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale. Mais nous devons faire intervention ça pour nous parler avec Haïtiens et Haïtiennes. Pour nous dire que, je vous dis, au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. L'équipe Sahalida pour courir la police nationale. Et profiter de l'occasion pour moi remercier tous les jeunes garçons et jeunes filles qui décident de faire partie de toi ça. Nous connaissons que nous n'avons qu'à faire notre bagage. Mais vous choisissez pour vous servir des livres. En pile dans le tombé dans les opérations. Vous pensez que la République a très reconnaissant de vous. Ce sont des travailleurs de la patrie. Et je dis, hein, son corps qui est professionnel, qui a continué à renforcer, professionnaliser ça. Et problème de sécurité qui gagne, hein, nous avons dit, des cas isolés au fur et à mesure pour l'ISA avec moyens que nous maintenant avons été à disposition dans le fini et puis avec la participation de la population bien sûr parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité
n'a pas arrivé moi Haïti meilleur côté que n'a pas capable attirer les investissements, n'a pas attirer les touristes pour vivre dans le pays. Conseil supérieur police nationale l'a convoqué devant commission justice et sécurité publique chambre députée pour vendredi 20 avril cap vini là pour aller bay parlementaire yo explication sur situation sécurité pays a. Président commission Jean-Marie Florestal fait connait gien en pile préoccupation par rapport à réalité sécurité pays a dans zone métropolitaine là. C'est raison principale convocation CSPN là. Suive yon extrait. Comme il a été annoncé, le CSPN a gagné pour venir dans la salle commission, chambre députée, pour expliquer sur la situation d'insécurité qui a valé terrain dans la capitale haïtienne, et pas seulement dans la capitale haïtienne, dans la ville provinciale tout. Donc, je vous dis, écoutez, hier, nous apprenons que Kafou Difou a un riverain qui tombait en babal. Et hier encore, En plein jour, entre 2h et 3h, eh bien, bandits débarquaient non coopératives du côté de Bassin Bleu dans mon département. Eh bien, ils descendent en sécurité, ils prennent tout l'argent qu'ils gagnent et ils tirent les gens sur tout le parcours. Là. Et voilà que les policiers qui sont sortis pour le prince qui travaille la tortue, monsieur Moui, en bas le bandit. Donc, c'est pour comprendre que l'ampleur que l'insécurité apprend, mais nous-mêmes, comme autorité qu'il a pour contrôler, et autorité sérieuse qu'il a pour protéger vie avec bien population, est-ce que nous avons arrêté, même j'en avais au bois croisé devant le phénomène? Non. C'est ça que fait nous dit, nous user de prérogatives, ça a constitué nous, pour nous relayer, pour demander une explication dans nos populations, pour dire ça qui a passé comme ça dans le pays. Hein. Est-ce que la population est livrée? Est-ce que la population lui-même il doit mettre dans la situation pour le bailler de justice ou bien est-ce qu'il y a une autorité qui prend défense li devant bandits qui prennent en otage? Donc c'est ça, nous parlons là. Date là, c'est pour demain vendredi 20 avril. Là. Le dossier dans le journal là, dans le cadre du 8e sommet international sous financement, gouverneur Banque Centrale là, Jean-Badin Dubois, en intervention, présenté situation monétaire pays. Suivant extrait. Agriculture là était fondamental si nous voulons vraiment faire différence à pays ça, si nous voulons vraiment créer emploi dans pays ça, si nous voulons réduire le poids de l'importation dans pays ça, si nous voulons que haïtiens capables de jouer un job dans pays ça et que nous créer pour son poids. Son travail intéressant que Caravane a fait, il est important, faut applaudir parce que le l'a créé route, c'est-à-dire que le gouvernement voulait créer 4000 km de route pour relier toute zone ça. Ça veut dire que on produit qu'on est là. L'ICA sorti, Jérémy, plus facile pour lui venir vendre Port-au-Prince. Au lieu de rester Jérémy, côté mon enfant produit là, c'est ça qu'a consommé, ou ça, mon dans zone qu'a consommé, que le cas utilisé, et puis le reste, pratiquement, perdu. Maintenant, où tu as intérêt que tu aies route, que tu aies des infrastructures, et que tu aies des entrepreneurs, quand tu as installé en fait, des entreprises de transformation dans la zone ça, et qui aient en fait, moyen de transport là pour ramener vers les grands centres de consommation de façon à ce que le monde qui a produit là connaît que depuis le produit là vient il y a un CIFA qui a fait une expérience d'assurance agricole qui pourra le faire mais que nous pas les perdu expérience que vous faites nous rapatrier en fait dans FDI de façon à ce que nous commencer mettre en place un programme d'assurance agricole mais qui est plus général. Et c'est ça que je parlais là-dedans, je parlais que technologie blockchain, en fait, qui sont technologies qui permettent traçabilité et tout ça, ont une bonne capacité de façon à ce que les capables nous capables de faire en fait en l'autre manière, assurance d'une autre manière. Parce que, pas oublier que l'assurance est avant le pays, puis maintenant, il faut le voir à le vérifier. Mais si pas de route pour la vérifier, si c'est difficile pour la vérifier, pas même intéressé par l'assurance là. Parce que je ne peux pas faire l'assurance en côté, et puis je ne peux pas vérifier pour moi si il y a des dégâts. Mais technologie blockchain permet que vous pouvez utiliser d'autres paramètres satellitaires tels que pluviométrie, etc., température, humidité, qui certainement, tout un concours de conditionnalité, a fait que vous avez des désastres quand même qui sont dans la zone. Et vous n'avez pas même besoin de vérifier parce que vous êtes capable de vérifier à distance. Donc vous êtes capable de mettre une certaine assurance.
Magistrat Kafoua Jude Edouard Pierre nan tèt yon délégation visité mercredi 11 avril la sous glou à grotte nan tèt Dikini. D'après magistrat, visite sa gen pour objectif sensibiliser plusieurs secteurs nan commune lan sur important site yo. Magistrat Jude Edouard Pierre encourager population nan zone lan protéger environnement yo. Yon extrait nan micro TNH. Nous font visite guidée pour évaluer situation difficile environnement zone ça. Qui habitait une pigro patrimoine villa qui c'est tunnel de Tikini qui était construit en 1940 par le président Seigneur Vincent 78 ans après eh bien nous voyons que c'est un côté qui pas totalement abandonné mais qui assez qui pas vraiment gagné qui assez exposé pour la population c'est quand même ici là qui construit sur 1.5 km de long et environ 2.4 à 2.5 mètres de large un tunnel qui est aussi long qui prend toute l'eau dans la zone qui allait jusqu'à sous Bel Air. C'est là, par le national, toute institution de cette ville-là, c'est là que nous sortis. Et je dis, nous voyons que toute zone, eh bien, totalement construite de manière anarchique. Tout pied bois fini coupé, et il y a un tarissement justement de sources-là, de sociaux, et ça réduit considérablement le débit qui est supposé alimenter. Même les gens dans la zone d'Ikini-là, il y a un bon kiosque. Yo jwenn de l'eau pour va gagne de l'eau pour boire ça parce que c'est là et tunnel là. L'autre nouvelle responsable rectorat Université l'État d'Haïti a ajouté un nouveau l'école dans liste discipline avec faculté qui fait partie Université l'État d'Haïti. Ça a porté nom école d'optométrie et sciences de la vision. Selon doyen faculté médecine et pharmacie Jean-Claude Cadet, première promotion l'école ça qui déjà commencé travail gain 19 étudiants. John Herbie Kaseyu a présenté un reportage. Première promotion l'école optométrie et sciences zéo gain la dans 19 étudiants. 8 filles, 11 garçons. Jeune Sayo a bien pour passer 4 années formation dans l'école là qui chita dans espace sciences de la santé yo, oui Oswald Durand dans Port-au-Prince. Contrairement à l'ophtalmologue qui étudie pour faire opération et traitement pour les gens qui font glaucome, cataracte et l'autre maladie dans le jeune Sayo pour prendre formation pour détecter et évaluer maladie Sayo. Selon le doyen faculté médecine et pharmacie, Dr Jean-Claude Cadet, ophtalmologue a bien pour travailler sur référence. À part service optométrie, nous connaissons que c'est des agents de santé. Ils ont sorti dans l'école de médecine, ils apprennent les maladies qui a un rapport avec Dieu. Parce que une série de maladies comme le diabète, tension, anémie falciforme, sida, qui bon moun une série de réactions dans Dieu. Donc c'est tout ça que nous allons prendre en compte pour nous kakembe population haïtienne en santé. Docteur Jean-Claude Cadet fait connaître qu'il y a petit 20% de la population qui souffre de maladie G. D'après lui, l'initiative s'est rentrée dans le cadre des marches qui ont mené pour permettre plus de spécialistes dans le domaine en Haïti, une façon pour qu'ils puissent détecter et traiter les maladies géo, puis bonnet, kaimoun qui malade. Merci Albi, ak Toussaint, un rappel dans le titre nous avons développé dans le journal. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, a participé dans le 8e sommet américain qui a déroulé 13 à 14 avril sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays Pérou. Conseil supérieur police nationale la répond jeudi 12 avril la convocation commission justice et sécurité publique Sénat sous question sécurité. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine dans cadre rencontre ça parler sous ensemble disposition gouvernement adopté pour garantir un climat sécurité stable dans pays. Commission justice et sécurité chambre député a convoqué conseil supérieur police nationale là pour vendredi 20 avril cap vini là situation sécurité pays a nan mitan discussion yo selon président commissaire Marie Florestal. Rectorat UEH lancé hier jeudi à école d'optométrie et sciences de la vision. Voilà, amis téléspectateurs, journal l'arrivée dans Boutli. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés pour suivre cette programmation. Bonne journée à tout le monde.